Réception de l'UNPC, c'est ça. Nous sommes un groupe de journalistes, un collectif de journalistes qui aujourd'hui porte la cause de Patrick Lokala également, qui s'oppose à son arrestation. Une arrestation qui a été faite par un confrère. Je vais dire ici un confrère qui a fait arrêter un confrère journaliste qui s'appelle Monsieur Christian Lusakweno, patron de Top Congo FM, soit directeur général de Top Congo FM, qui a fait arrêter les journalistes Patrick Lokala, qui se retrouve voilà plus de 6 jours, une semaine presque au Nouf, au palais de justice. C'est référent à notre aux lois et textes qui nous régissent, notamment à l'article 14 de la loi sur l'éthique et de la déontologie. Nous, collectifs qui portons les journalistes de Kinshasa, qui portons les dossiers Patrick Lokala et qui s'oppose à son arrestation par un confrère, nous avons choisi ce jour ici, cette date, je crois c'est 16 octobre, pour venir déposer une plainte à l'UNPC à l'idée de s'opposer à cette arrestation, aussi à l'idée de pousser l'Union a plus d'engagement pour s'atteler, pour prendre ses responsabilités aussi dans ce dossier aujourd'hui qui brise la confrérie. Ici, devant la réceptionniste, soit madame de l'UNPC, chers confrères et consoeurs, je vais déposer par devant elle la plainte du collectif des journalistes qui porte la cause des Patrick Lokala contre les confrères Christian Lusakweno qui a fait arrêter les journalistes Patrick Lokala. Ici, dans notre plainte, nous nous référons à l'article 14 du code d'éthique et de la déontologie qui demande à un journaliste, quels que soient les problèmes entre confrères, de ne pas saisir les juridictions du droit commun. Mais elle est bien de venir auprès de l'Union pour poser son problème. Alors, nous avons constaté que M. Patrick Lokala, depuis qu'il a été arrêté, la plainte principale qui est enregistrée sous les RMP 45-283-PR-022-j'arrête par là pour ne pas exposer les magistrats instructeurs du dossier, et bel et bien, les plaignants dans cette affaire inscrite sous RMP cité, et bel et bien, M. Christian Lusakweno, patron de Top Congo FM. Nous qui sommes respectueux des règles qui nous régissent, c'est la raison pour laquelle, sans pour autant utiliser la violence, nous avons préféré venir par devant l'Union pour mal protester compte tenu de cette arrestation. Vous voudrez bien, madame, je puis vous passer la plainte. C'est à vous d'en accuser réception. L'accusé réception. Ça, c'est l'accusé de réception qui doit nous remettre. Mais ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. L'autre, c'est l'accusé de réception pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. De voir. A bel et bien accusé réception de notre plainte. Je pense que l'UNPC va s'y atteler pour plus d'engagement dans ces dossiers qui opposent deux confrères. L'UNPC, par
Madame la réceptionniste venait d'accuser réception. Je pense que l'UNPC ne trouvera pas de faux fuyants pour nous dire que cette affaire n'a pas été enrôlée, soit n'avait pas été enrôlée par devant l'UNPC. Je pense que vous pouvez filmer comment est-ce que l'UNPC a accusé réception et qu'on attend dans les jours qui suivent que l'UNPC puisse se saisir du dossier pour que l'Union puisse récupérer ces dossiers. Mais le gros du message est que vous pouvez comprendre et connaître que nous, journalistes de Kinshasa, réunis à un collectif, nous avions bel et bien porté plainte contre M. Christian Koussan et Alou Sapeno. S'il faut faire référence, cela fait référence à notre dernière déclaration qui a été lue par M. Peter Tsiani, dans laquelle nous avions exigé purement la radiation de M. Christian Alou Sapeno dans la profession. Merci. Contre patron ya Top Congo FM comme on a dit Christian Alou Sapeno. Bon, on a dit déclaration na biso elekaki to sengaki radiation na ye na profession awa toza na UNPC awa ne ba kondi na biso bazalaka ba kondi oyo biso moko to tiko voter récemment président na biso commanda na équipe na ye Mobimba. Batu ya commission en discipline Bazali, ainsi de suite, na secrétaire général, Botiko Mona Totiko Zalanaye tout à l'heure, peut-être Zalana Bakondina 4. Déontologie n'a vu son article 14, et au sein d'un journaliste à Zala solidaire. Namibé qu'on a vu son journaliste à quoi porter plainte, pas journaliste, la justice était. Sauf qu'on a un problème, la journaliste est mon sousou, place à refonda yé, et ça UNPC. Bangonde banzuzi na biso, bangonde bakondi na biso. Soki mutu amemi mutu na justice, et la kesite ke abuki mibeko. Yango biso nenge to tosaka mibeko, ya corporation na biso, pe bakondi yo to uti ko vote, ya même pas mikoleleki ebele, to ye ko funda Lusakweno. Aza journaliste asala kamusala na ye malamu, tabu kongo to linga kango mingi, mais a péché na ndenge ete a memine de kolokala oyo ba beti tombe ko kanga ye ba beti mosi na ye ba boki bala gaz de lacrymogène anda ko bomoni mais to koloba lelo lokala azana parke a ko souffrir plus d'une semaine ba ne ko bele ba benga ki Christian Alou Sapeno a ko kosa ka retirer plainte ti lelo Alou Sapeno a kosi parce qu'elle ko retirer plainte te pour plainte n'est pas qui écrite pour retirer plainte bakomaka a commis te donc benga sala ki lo lenge wana toye otika plainte na biso pe contre ye na corporation ba radier ye azonga France a ke ne ko sala musala na ye na France toyokani merci merci bino nyonso bambote ni premièrement, et eso ça la passe mingi d'abord. Komona jusqu'à présent, moi na mboka to pe mopandisa ngo confrère o ya biso kulu to na basusu mobali ya mungu tata ya bana akovanda te lelo na grande instance afandi kaka boye asamba kate parce que ezali conflit entre journalistes. Parce que nga natanga ki na tweet ya mwana mboka Christian Alou Sapeno kokoma ke ye azali contre ba pratique o esalema ki tango bakanga ki Patrick Lokala mais ya kokamwa ezali tango nazo yoka mwana mboka Yves Bouya mopandi sango ya Bokundoli akoloba lobi ke na plainte oyo bazali ko retrouver yango kuna ezali kombo ya journaliste Christian Alou Sapeno patron ya Top Congo FM nde ezali kuna eza na ba regret mingi parce qu'aujourd'hui il faut toye bayango que profession na biso e baby et loko pe ko kabola ka biso eza plus makambo ya bayi politique okoka te ngambo mosusu bazali pona oyo oyo ngambo obwe a dénoncer mambi me matali détournement to azali ko appuyer bato ya ngambo mosusu basepeli te bakangi ye combien de fois ba pratique wana ngai mwasi combien de fois enlevé ba memanga na ba service combien de fois ce qui est qui force ya média te mais pas si ezali pourquoi tozo yo kanate tozo wa elani bati ya ba journaliste na condition ya malamu
Batika Patrick Lokala, parce que pour ça, la vie est allée. Bapandisa ngo place na ye zali na grande instance te. Plus d'une semaine, Patrick Lokala ola na ba condition nini. Est-ce que bozali au courant ya makambo batu ba se vada ki na grande instance kuna na ba kasho ya bango. Patrick Lokala ola na ba condition nini. Ba condition nini. Bato baza ko détourner mbongo tongo midi pokwa bango na ba ko tambola butu moyi. Bazali libre. Bazo voyager ndenge balingi pona ba journaliste aéroport et comme le quoi grand liboulou okoki ko voyager telelo batika okende facilement boye okoka ka bakangi ona déjà okoka ka kabwe landela bato bazo partager même point de vue na premier ministre Tshisekedi. Est-ce que mboko toza na état de droit toi ko tombola penza mitu na biso to sepela ke na Congo to en état de droit honte à vous bato boza ko kamba biso eza triste pe mawa. Et ça, moto bah oui, qu'on peut liberté provisoire. Azoma nandaku, akoyaka ko samba. Patrick Lokala roki matin. Est-ce que Christian Lusako est noza kimia place azali? Lokala akola na ba place wana. Aza kimia. Même quand il y a koloba kaye muto asali ya ngote mena kati ya dossier son nom. Eza na kati. Est-ce que bozana mitema humanisme eza na bino? Pour nani ni teto suki sana kabiso na biso biso bato bakanga babwa kabiso na bakasho na ba prison toyebi douleur ya bato ezala kuna et bobo sana kapete. Quand vous faites ça lelo yo muto sali mabe okozala na opete okobosa mais biso bato boko sala mabe ezo vana na mitema. Je pense que je m'arrête. Merci. Keba Papa qui va bien. Papa qui va bien. On va bien.